Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le Mans Vent pour un nouvel épisode de Rouler à moto et on est avec notre ami Arnett Poupa et on va vous présenter la D977 bis de Vauclay à Monsauch dans le Mans Vent. C'est parti! Pour rouler à moto, pour rouler à moto. Donc là on part du Vauclay et on va prendre en face la D977. Qui était à gauche, mais on va la reprendre en face. Direction Monsauch, à gauche. Et en face, vous avez la petite D944 vers le château chinois, qui aime non plus mais pas piquer les hannetons. Est-ce qu'il y a des caca qui arrivent là? Alors, personne à droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Non. Personne à gauche. Et bah, en face. Et bah, allons-y. Let's go. Alors, petit rappel, on voit déjà les petits panneaux qui font plaisir. Le Morvan, c'est en Dordogne, donc sud-est de Paris, hein, parce que bon, on va tout faire à Paris, hein, moi je suis parisien, je suis comme ça. Donc le Morvan, c'est à peu près à 300 km en gros de Paris. La D977 bis que nous prenons fait 22 km depuis le Vauclay jusqu'à Monsauch. Après vous pouvez la prendre de plus loin, c'est déjà une route qui est marquée bien tout le long, hein, comme on a pu le voir sur les panneaux. Et ce qui est important aussi à noter, c'est que le Morvan c'est plein de petites routes. Hein. Là je vous en présente une, mais voilà, hein, c'est comme je l'ai dit, hein, au rouler à moto c'est pas dire c'est quoi la meilleure route, c'est montrer des routes qui sont stylées, de notre belle France, on serait fiers. Et donc voilà, c'est parti sur la D977 pendant 22 km. Et cette vidéo, on l'a fait avec qui? Avec Monsieur Pou! Avec Monsieur Pa! Mister Arnett Poupa! C'est de la musique quand tu parles pas? Ouais, je verrai, hein, c'est du montage. Hein. Montage! Je vais pas mettre toute la route, hein, c'est sûr, ça fera une vidéo beaucoup trop longue. Hein. Il m'a dit des grosses conneries, je comprends. Hein. Eh, le pays qui dit rien, tiens, regarde là. C'est pas beau ça, hein? Avec les vaches bourguignonnes. Ah là là. Tiens, j'ai aussi un petit conseil. Si vous voulez vous loger dans le Morvan, j'ai une petite adresse qui s'appelle Auberge la Petite Millette, c'est à Plancher. Et ben, n'hésitez pas à prendre une petite chambre là-bas, on est toujours très très bien reçu. Monsieur Poupa pourra vous confirmer. Hein. Je ne peux pas en démentir, en effet, on est bien reçu, on mange très bien comme à la maison. Comme à la maison. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que faut faire attention aussi dans le moment parce que l'état des routes c'est très variable. Quand ils refont les graviers, il y a des fois bah, la route c'est plein plein. Putain, j'entends rien avec ton putain de de moteur. Vas-y, je coupe la terre. Voilà. Alors, comme je vous le disais, faut faire super gaffe. Il y a aussi les sous-bois où faut faire super gaffe parce qu'il peut y avoir des feuilles, des trucs par terre. Pareil hein, dans les champs, comment qu'on dit déjà? C'est quoi les mêmes trucs dans les tracteurs? Il y a les tracteurs qui peuvent mettre de la terre, donc ouais. Je vous dirais, faut faire gaffe. Et comme j'ai dit, il y a pas mal de gravier à certains moments de l'année, donc faire toujours très attention quand on roule. Bien joué.
J'espère que cet épisode vous a plu. Et qu'en pensez-vous, mon cher Poupa? Perso, moi j'ai bien aimé. Que des virages. Que dire de plus? Tu me fais découvrir des routes qu'on n'a pas forcément près de chez nous. Et tu me fais découvrir le Morvan, des monts et merveilles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme a été payé pour dire cela. Mon chien, je le récupère quand? Bon. Alors en tout cas, merci à tous d'avoir regardé, j'espère qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus. À la prochaine.